Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Gladys du champ des comestibles. Bonjour Gladys. Bonjour Babette, bienvenue au champ des comestibles. Merci. Alors, il paraît qu'ici, on fait des fleurs qui se mangent. Oui, c'est ça, on fait des fleurs comestibles, si tu veux venir voir. Bah oui. Donc là, ici, tu vois, tu as la bourrache. Donc voilà, si tu veux goûter, donc oui. Tu l'épluches, tu enlèves la queue. Ok, d'accord. Voilà, tu vas ressentir un petit goût iodé ou concombre, voilà, ouais, c'est ça. Ouais, plus de concombre. Et ça, c'est de la capucine. Donc tu peux en faire des beignets ou les manger en salade. D'accord. Tu peux même en beignet faire mettre un petit bout de fromage au milieu. Ah, ça peut être une super idée. Alors là, on est dans ta petite boutique. Oui, c'est ça. Donc tous les mercredis après-midi, de 15h à 19h, je vends ici mes légumes, mes fleurs. Donc voilà les petites fleurs. Super. Alors, c'est des boîtes en amidon, hein. C'est pas du plastique, donc tu peux la mettre d'accord. au compost. D'accord. Bon, ben, c'est bon, on va pouvoir aller faire notre petite salade et nos beignets de fleurs de capucine. Pour cette recette, il vous faut de l'huile de friture, 3 cuillères à soupe de farine, des fleurs, des graines de lin, de l'orge grillée, un œuf, un jus de citron, 15 centilitres d'eau gazeuse glacée. Et des mini courgettes. Coupez les mini courgettes et les faire mariner avec un jus de citron, de l'huile, des graines de lin et de l'orge grillée. Assaisonnez et réservez. Pour les beignets, cassez l'œuf et mélangez-le avec l'eau gazeuse glacée. Ajoutez la farine et mélangez très doucement avec une fourchette. Faire chauffer l'huile de friture. Trempez les fleurs de capucine dans la pâte et les faire frire. Dressez la salade avec le mesclun, les mini courgettes et les fleurs. Bon appétit !